de l'autre monde qui est plus bien placé, que nous fait confiance, qui vient rapporter effectivement dans la tranche d'heure sa guerrier du seul. C'est pas 2-3 cartouches qui tirent en bas la ville là. Autrement dit, cartouche fait Mikalao. Qui était au niveau du champ de Mars, bas peu de choses. Et même à un certain niveau, dans Tiojo Boisverna, où tu as facilement des possibilités pour t'aider. Oui, qu'à tout ça. Et puis nous autres, nous disons, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la police, de concert avec les forces armées d'Haïti et les Kenyans qui ont mené l'opération en bas la ville? Ou bien est-ce que c'est Bandio qui a fait une nouvelle démonstration en bas la ville là? Nous poser question ça jusqu'à ce que gagne des images qui commencent à venir joindre nous par contre goutte. Des images côté y a montré nous cortège premier ministre Garry Conille cap sorti en vitesse dans zone en bas. Vraiment bah catastrophique. Des images côté nous des policiers kenyans qui a tiré un pile coup de balle. Des images côté nous la police a fait un paquet de manœuvres pour te permettre une délégation officielle qui est en bas sorti qui était zone là pour aller côté où devait aller. Et c'est à ce moment guerrier du seul nous avons gagné information qu'il s'agissait d'une visite du premier ministre Garry Conille accompagné du ministre de la santé publique et de la population et également du directeur général de la police nationale d'Haïti. Sans pas oublier, commandant troupes kenyan yo guerrier. Il était question, d'après information officielle yo, pour non seulement PM nan ensemble avec moun mwen sou cité la yo te fait un deuxième visite pour te évaluer situation au niveau de l'hôpital général, mais tout pour PM nan te bail une équipe CNN ont entrevue exclusive sur ensemble décision qui était prise par le premier ministre. Il te fait ça sous lieu visite là dans l'hôpital général et il était clairement visible. Si nous ga permettre nous dire comme ça, son façon m'expliquer tellement de gain évidence, on monde qui garde vidéo te ca tout simplement conclu que bah elle a pas de facile pour cette délégation officielle après bien sûr visite en dans l'hôpital général. Mais nous autres, malgré image ça guerrier du seul, l'enfin nous photo officielle sur page primature côté expliquer PM nan té allé en bas dans canot deuxième visite évaluation et profiter by entrevue à une équipe CNN. N'attend pour autorité ou dit nous pour qui ça te gain tout cas tout ça en bas. Qui ça qui t'est passé? Est-ce que c'est tellement bien santé belle mon d'a tiré à gauche à droite? Est-ce que c'est content ou t'es content? Est-ce que c'était feu d'artifice pour te saluer PM nan ou écoute canon t'a fait? Nous passé plusieurs temps à visiter page officielle la police, à visiter page primature, à regarder qui ça tweet officiel yo à pied. Nous pas jamais entendre rien. Malgré les médias en ligne qui étaient présents, rendre public des messages, pas messages, non, des images, guerrier, pour montrer que la situation était compliquée. Peu après la visite de la délégation, conduite par le premier ministre Garry Conille, ça va t'empêcher nous-mêmes, nous t'es juste attendre qui sa explication la police tapier, qui sa explication la primature tapier, autrement dit, qui sa organe de communication officiel lieu
Et tu as dit sur ça que tu as passé en bas ou bien sur ça que tu es passé en bas parallèlement à la visite de la guerre. Mm. C'est ainsi que nous avons dormi et puis nous avons réveillé dans la nuit. Nous avons tombé sur un communiqué conjoint de la police nationale d'Haïti et de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Là, nous avons un document, curieusement, hein, nous font première lecture et puis nous tombons dernier. Nous font deuxième lecture et puis après deuxième lecture, là, nous tirons deux conclusions. La première conclusion nous dit que son trac. Son trac par rapport avec ça qui dit en le document, mais par rapport avec forme là, j'ai décidé de faire un message à passer, faire communication, vous voyez. Deuxième, bah, guerrier, nous rendons compte que si le pas t'as entré, que c'est vrai, son communiqué qui est authentique, eh bien, ça qui dit en de communiquer avec ça nous-mêmes, nous non seulement, ouais, étendez dans la vidéo que vous jouez nous, ça des mouns qui dans cette ville-là rapportent une guerrier, c'est la nuit avec la journée. Ouais. C'est comme si ça communiqué à rapporter, ou bien expliqué à l'y passer dans le pays, et puis ça t'est passé en bas côté journaliste agence information à l'unité là il passé dans l'autre pays guerrier. Et jusqu'à matin guerrier Dieu seul malgré gagner des confrères des consœurs qui confirmaient l'authenticité du document malgré gagner des médias crédibles nous qui tweet sous document jusqu'à matin pendant n'a parlé à la guerre pas les quoi que ce document est authentique guerrier. C'est vrai depuis hier soir au MDLO, bien tard pour me dire on regarde qui est nous qu'a contacté là au niveau la police notamment porte-parole là etc pour nous est si capable confirmer l'authenticité document parce que moi-même moi pas de vlekwe et jusqu'à matin pendant n'a parlé la guerrier nous pas vlekwe que document ça sont document authentique. Qui ça qui dit dans document ça nous est logo MSS là logo mission nous avons logo la police nationale d'Haïti donc c'est eux deux ensemble qui mettent tête pour faire document ça ou bien pour écrire communiquer ça n'appelle la français et son choix de faire pour nous bien entendre c'est pas français pas nous c'est français ça nous est qui dans document aujourd'hui il y a parlé de hier lundi le 29 juillet 2024 tout ça me dit dans document hier. Ils sont pas me dit en français là c'est dans document hier. Pas problème pour. Aujourd'hui, lundi le 29 juillet 2024, virgule, le premier ministre Gary Conny accompagné du directeur général de la police nationale d'Haïti PNH Normil Rameau et du commandant de la force MSM Godfrey Otungé visitait les locaux de l'hôpital général pour faire une évaluation. Point. Nous partons au deuxième paragraphe là. Le PM était accompagné de CNN pour la couverture où, virgule, vers la fin de son interview, deux coups de feu, on a parlé de chiffre 2, 1, 2, deux coups de feu ont été entendus dans le quartier voisin. Après que le PM ait terminé avec succès l'interview, il a quitté l'hôpital avec son équipe de sécurité. Mais, alors qu'il se trouvait à l'un des coins de l'hôpital, des agents de sécurité ont tiré quelques coups de feu pour couvrir la sortie du PM. Ok. Troisième paragraphe. Le PM et son équipe ont quitté l'hôpital en toute sécurité et ont été escortés jusqu'à son bureau. Plus tard, la PNH et le contingent MSS ont suivi l'endroit où les coups de feu avaient été tirés depuis le quartier et ont pacifié la zone. Ils font phrase pour constituer quatrième paragraphe là.
L'hôpital est toujours sous le contrôle de la PNH et du contingent MMS. Aucun décès ni blessure de la PNH et du MSS n'a été enregistré lors de l'événement. Godfrey Otunge, IBS, OGW, commandant de la force MSS, Normine Rameau, directeur général de la police nationale d'Haïti. Malgré, comprenez bien l'idée, moi à partager avec mon yo, non seulement contenu document, mais également compréhension, nous still va croire que c'est communiqué de la police nationale d'Haïti et de la mission de soutien à la sécurité guerrière. Nous still va croire. Nous avons vérité trop sous forme. Parce que nous pas hablé français, vous comprenez? Même si nous avons une réserve par nos souliers. Mais on essaie de garder ce document, ça t'a vrai. Ça vous dit là-dedans, ça vous explique là-dedans. Attendez bien, et si document t'a vrai? Vous expliquez dans le deuxième paragraphe, la guerrière du seul. Que les PM n'a fin ba interview, ont interviewé Diki Ba avec succès. Ils ont tendu deux coups de feu. C'est comme si il y a deux balles qui tirent bien loin. Deux coups de balle. Popo, non qu'à tirer voisin. Donc selon le document, pas rien été fait encore. Sauf que dans même document, dans même récit, ils ont expliqué les absouti. À pour le ministre là, agent sécurité l'obligé fait quelques tirs là on va préciser en l'air de préciser on disait deux coups de tête on dit quelques tirs en bas probablement il y a droit à deux il y a droit à trois il y a droit à 10 15 20 30 50 000 dos mais on dit quelques tirs quelques coups de feu pour couvrir pardon la sortie du PM. On campe là. Si PM n'a pas en difficulté, il n'a pas de problème. Et nous confirmer, c'est deux coups de balle, nous tendez. Bien loin, dans le quartier voisin. Bon, c'est comme pour minimiser ce qui est passé hier. Donc, il nécessite de gagner pour sortir PM non, pour couvrir PM non, et puis pour. C'est-à-dire pour y tirer. Les agents de sécurité ou bien des gens qui n'ont pas de sécurité, t'as obligé à tirer pour sortir PM non. Mon petit Jean perdu là. Par contre, mon petit j'ai perdu. Comprenez bien, oui. Nous partons avec l'hypothèse que le document est vrai. S'il n'est pas vrai, tout ça n'a dit là, qu'on dit l'autre là, c'est Jupi Vitcha. Mais on prend le document pour un document qui est authentique, guerrier. Yes. Parce que jusqu'à présent, par contre, pour qui ça? Je suis le pièce côté dans l'organe de communication, équipe gouvernementale. Là. Et ça fait parler sur lui avec toute réserve. En attendant qu'il y ait des officiels qui confirment l'authenticité pour nous. Cependant, nous notons que il y a des gens qui proches pouvoir nous partager. Cependant, nous notons que il y a des journalistes, des confrères, des consoeurs, nous connaissons crédibles, qui nous font confiance, qui postent. Et voilà pourquoi nous choisissons commenter le matin à guerrier. Nous retournons dans le document guerrier. Il dit qu'il couvre PM. Pour couvrir PM dans l'absouti, il a tiré les agents de sécurité du PM. Oui. Ils ont tiré quelques coups de feu. Ça qui t'est passé. Pour qui ça? Parce que c'est suite à deux coups de feu. Deux petits coups de feu. Nous dit bien loin, nos quartiers voisins. Il n'y a pas même dit dans le parage de l'hôpital. Il n'y a pas même dit dans le bloc de l'hôpital. Il n'y a pas dit ça. Dans le périmètre de l'hôpital. Là. Et puis pour sauter à PM, on est obligé de tirer dans toute direction. Ça va passer, fou. Ou bien tout c'est sous quoi que nous avons fait une démonstration. Par contre, vous comprenez? Yes. On continue. Ils disent que PM, avec l'équipe, ils ont quitté l'hôpital en toute sécurité. En toute sécurité. En toute sécurité. C'est comme si on dit nous PM avec toute équipe qui quitté jeune tête frette. Tête frette.
C'est comme si Jean était venu, qu'on s'allait aller. Par contre, ce que vous avez dit, c'est ça. Et vous dites au propre PM, vous escortez, vous arrivez jusqu'à la bureau. Bon, mais écoutez, Mourinet, n'est pas insolite là. Vous dites, non, plus tard, la police avec MMS tournait. Pour y aller regarder des coups de balle, ça fait là. Ça qui est passé. Ça qui est passé. Qui est-ce qui fait des respectants? Des respectants, son PM dans la zone, a fait des coups de balle en l'air. T'as eu gars, je vais filmer. Les metteurs. Et puis, après ça, Kenya avec la police pacifie les autres. Les respecteurs, ça va être fait encore. Et que la police s'ouvre les guerriers du sol, ensemble avec le contingent Kenya, il y a des contrôles entiers l'hôpital général. Et puis, il y a une précision en bas. Aucun décès, ni blessure de la PNH et du MMS a été enregistré lors de l'événement. Bon, on a, est-ce que ces deux événements, des petits coups de balle à parler et que les PM n'ont pas sorti à couvrir là, ou bien est-ce que ces événements, les fin déposer PM dans la bureau, ils ont retourné à regarder qui est-ce qui te fait respecter ça? Il y a le pacifié, ça. Bon. Est-ce que c'est du vide, moi, ça a parlé? Le PM n'a pas précaution. Franchement, on est comme ça. Non, il y a beaucoup bon. Il y a beaucoup bon PM pour aller dans la zone. Par contre, de qui est vide, monsieur a parlé, mais ça, c'est certain. Il y a pas de précision pour la République. De pas de monde qui mourit dans la police, pas de monde qui mourit dans la. Mais si pas de gagner, mes amis, pas besoin de précision, ça n'est pas gagné. Par contre, il y a une nouvelle qui décide que les gens qui mourit, vous dit, il y a des mentils. Pas de gagne, des petits coups de balle qui te tirent bien loin. Guerrier, c'est ça. Nous, certains guerriers, si vous me dites que ça t'a vrai, si pas de gagne image qui te prend la rue, guerrier, pas étonné au gouvernement ou bien n'importe quel gouvernement qui te doit dire c'est fake news. Oui, c'est pas vrai. Et c'est ça qui t'est passé. Le monsieur Damio t'est sorti l'hôpital général première fois. L'un des médias, donc, métronome guerrier, t'es expliqué que bandit retourné l'hôpital général encore en pile monde estomac. Et même au niveau du gouvernement, et ouais, monsieur Koumi, il va t'en interviewer là, t'es fait état de ça. Bien que le parti cité métronome nommément, et bien content au guerrier de réagir comme responsable. Les monsieur PM, monsieur PM, t'as fait allusion à des médias qui t'a. Après faire circuler des fake news pour déstabiliser, pour disboudate. Nous juste imaginer si monsieur agence et formation en ligne Patla pour te montrer la République. Mais comment PM n'en sauver ou bien cortège okay, pour ne pas faire sensation. Mais comment cortège PM n'en a quitté l'hôpital général, c'est certain n'importe média qui te parle sous ça qui te dit que PM qui est en bas en vitesse, ou bien cortège PM qui est en bas en catastrophe, il regarde ces fake news. Bravo, tu mets ces médias en ligne. Parce que même, je ne sais pas si tu es en train de faire des fake news. Il regarde ces fake news. Pourtant, l'homme t'a expliqué que après, l'autorité au Soudan va bandir de venir dans la zone là encore. Pas croire que nous sommes méchants ou bien de mauvaise foi. Et nous t'a dit ça. Au lendemain, et sous ce qui confirme effectivement, Negodila, désolé de le dire, c'est une source policière. Et pas n'importe qui source policière, c'est pas un agent. Voilà. Par contre, vous comprenez? Yes. Elle t'a expliqué comment ça t'est arrivé fait. T'es bon blindé que t'es devant en permanence, qui devine une nécessité pour aller sous fort, blindé à déplacer, t'es bien des policiers. Qui est en nombre insuffisant, ou bien en quantité réduite, une gâtine comme ça, qui est en dedans, l'hôpital là, et puis il y a eu un déplacé, alors que Bendy a fait couverture de l'extérieur pour eux, il a dit même, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de quoi tout, parce qu'il n'y a pas de pile. Yes. Et du moment que les bandits qui ont même sur la balle, ils ont déplacé, ils ont envahi. Ils n'ont pas retourné établi quartier général, ils ont dit, ils ont été là. Mais ils ont fini, ils ont tiré, ils ont fait démonstration. Mais qui intérêt nous autres comme journalistes à gagner
pour nous avoir une information comme ça, c'est pas rien pour eux avec la vérité. Je ne sais pas. Donc, juste imaginez un instant que l'image ça n'a pas pris la rue. Juste imaginez un instant que la vidéo ça n'a pas devenu viral. Pour te voir comment le cortège pour le ministre qui est en bas. On met à temps nous. On met à temps nous. N'importe qui est mieux placé dans le gouvernement, qui est campé là, qui a dit que c'est pas fake news, c'est les médias qui disent qu'il y a dedans. Nous t'es appuyé l'idée ça. Et jusqu'à matin, nous appuyons. Qui l'idée guerrier? L'idée selon laquelle, guerrier, journalistes, médias en ligne, agences d'information en ligne, pas doué à faire des reportages en direct dans le moment la police. À mener opération. À mener opération. Nous appuyons. Mais hier, c'est pas d'opération, non? Oui, c'est ton hier, visite. Hier, c'est ton visite au contraire. L'équipe communication du Premier ministre, s'il dégage tout le journaliste. En ligne pour te mener en bas, il t'a mené en bas. Parce que pour te voir que PM a descendu, l'hôpital là, a pas la CNN, a fait évaluation, malheureusement, pour ça mal tourné. Par contre, c'est pas l'opération, la police t'a mené en bas. Oui. C'est pas l'opération, Kenya t'a mené en bas. C'est pas l'opération, l'armée t'a mené en bas. Ils prennent toutes dispositions sur le plan sécuritaire pour escorter une délégation officielle qui était là dans l'île. Premier ministre comme chef de délégation, hein? Ministre santé publique à population, directeur général de la police. Moi, faut, moi comme c'est moi, ministre justice santé là, toi. Ministre justice santé là, oui. Monsieur Carlos. Donc, vous comptez assigner que après tout journaliste sur la terre, il vous met en bas ou vous mettez en bas. Il va pas connaître si ça a fini comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Et malheureusement pour vous, vous comparez à mettre pas maîtriser. Pendant que vous êtes en bas, guerrier du seul, c'est bon pied qui sauve tellement qu'à tout ce là. À savoir, côté bandit, vous avez tiré comme ça, et que la police avec Kenya était obligée de réagir, je ne sais pas. Même si vous êtes là, vous avez commencé de commencer à tendre qu'à toucher, jusqu'à ce que vous arriviez à Pétionville. Il y a des gens qui sont en bas, qui sont riverains, qui sont en bas, dans une petite chose qui dit non, vous avez beau temps pile tiré. Donc, on dit peut-être qu'on ne parle pas avec mon ou bien moi, je ne parle pas la ville là. Et puis, c'est sous communiqué, ça m'a tombé. N'importe journaliste qui t'a parlé de ça, je dis à. On t'a dit, mais il m'a dit à faire ce gouvernement. Par contre, vous comprenez. Yes, yes. Guerrier de seul. Et vous imaginez un instant si médias en ligne ou bien si pas de toute évolution, ça, guerrier, dans la question. Média, oui, y'a baba. Mais qui s'est abonné en pile menti? Soit j'aime des ou ça. Mais qui s'est abonné en pile menti? Oui. On va en pile menti, parce qu'il n'y a pas tout le bagaille qui parle dans la radio. Oui. Parce que nous autres, nous avons traitement nous fait de l'information dans les médias traditionnels. Oui. Ce qui est normal. Hein. Yes. Alors que, gen de, si monsieur avait téléphone, il y a ou qu'a critiqué effectivement. Oui. Il y a un mauvais côté, mais il y a un bon côté. Bon côté. Et ça arrive aux âmes à double tranchant. Et il prend un pile risque. Ah, mon cher. Un pile risque. Ma garde de mon série de Kenya, baba. Moi, je n'ai pas besoin de la pièce de formation. Je vais tirer, bien passé. Eh bien, tête chaude, lui. Pas une vidéo. Moi, on dit que vous êtes amené à terre, sur l'autre qui prend le boulot. Oui, moi, on vous pose encore. Vous m'avez côté Grégory. Les guerres, vous parlez. Ah, par contre, par contre, vous comprenez. Je regarde le cortège pour le ministre qui a sauté sans vitesse. Fiou, fiou! Ça y a dit deux coups de feu. Pas derrière. C'est bizarre. Bien, moi, il n'y a pas de communiquer. Ni sur la page de la police, ni sur la page primature, etc. Le ministère de la communication pour dire. Mais ça fait balle, il y a un en bas. Comme c'est communiqué, ça y a lagué. Probablement que nous allons faire comme ça. Tu vois comment l'opinion a réagi? Il y a des gens qui ont fait des sensations comme ça. Non, parce que. Nous-mêmes. Oui, parce que. Okay. Si trop Kenya avec la police tourne pour aller pacifier les zones. Qui zone? À l'hôpital général, côté des coups de balle qui sont sortis. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est nous qui avons balle. En tellement d'un attentif, deux coups de balle qui sont côté, il y a le pacifier. Oui, comprenez? Et puis. Grécier, il y a une réalité, ça depuis tout le temps. Pas de personne qui était en danger. C'est nous qui avons fait parler. Là, pour un bon imbécile, non, j'ai.
hein, deux coups de balle de manière isolée, tirons rodé, et puis la police à Kenya débarqué. Oui. Bon, la police haïtienne, hein. Débarqué, pas vrai? Mm-hmm. Il y a le Pacifique zone là. Mm-hmm. Pour identifier les gens qui tirent deux coups de balle ça. Pour pas me faire des restrictions ça encore. À la chanaille, papa. Ah oui. Bon. Nous va dire grand écrit VM, nous va dire ça. Mm-hmm. Et nous va dire au tirer sous cortège là, nous va dire ça. Oui. Mm-hmm. Pas gain ça, nous va dire ça. Mm-hmm. Mais mettez n'importe qui est-ce qui est dans la délégation ça, défi pour dire c'est pas bon bien sauver. Mm-hmm. Ouais. Courir rentrer dans machine, machin fou. Mm-hmm. Et n'importe monde qui était passé devant eux. Comme il y a là. Victime. Si son bar ordinaire, pour qui ça la première visite là pas de tout ça. Oui. OK. Oh. Les agents de sécurité du BM ont dû tirer en l'air, pas vrai? Oui. Non, pour ça. Pas ça? Oui, ça est la police qui t'a tiré. Pas de problème. Comme ça, pour plaisir, pas de gagner. Oui. Et pas de faire le premier visite. Je donne. Je vais me faire mon étendue ça. Moi, merci, Zani. Je parle avec mon docteur matin. Hein? Mm-hmm. On t'y échange tout coup sur WhatsApp. Docteur a dit Johnny Fon prend sa crivée. Mm-hmm. Cortège pour le ministre très au sérieux. Hein? Mm-hmm. Docteur a fait nous comprendre qu'il y a deux barres. Et si effectivement, tu as dit contrôler. Mm-hmm. Ni en de l'hôpital là, ni lieu de l'hôpital là, ni tout périmètre qui vous envie de l'hôpital là, pas de bugue de respect dans ça. Oui. PM n'a été doué, vini fait ça la faire en toute quiétude, retourner, aller sans problème. Nous allons demander pour la vie, comme si demain vous voulez balancer sans le baguette. Mm-hmm. Oui, ça va être samedi. Mm-hmm. Mais j'en te fais. Policier l'a sécurisé, etc. Et puis après ça, l'elfine fait ça la faire, monter machine, il a fait autre l'été. Mm-hmm. Ça te carrément mon pétard à tirer. Mm-hmm. Par contre, sous problème, il y a des choses. C'est pas sans raison. Effectivement, tu as un périmètre de sécurité qui te met en place. Yes, c'est pas sans raison. Et même là, tu as un cartouche de loin. De loin, c'est pas sans raison de dire. Si tout autant, tout espace, tout environnement, l'hôpital, pas sécurisé, donc, à quelle activité pas jamais capable de commencer. Bon. Alors, imaginez que c'est un village de Dieu, un coup de balle tiré. Bon, tout simplement, tu as tant d'elle, mais tu as toute réaction, ça. Il y a une inquiété. Donc, là, je me demande qui côté service intelligence là. Payé. Parce que au moins, avant PM, tu es venu. Tu dois gagner un travail qui fait. Pour rassurer que tu es réemparé pour recevoir officiel. Il y a des étrangers. On a parlé de l'équipe journaliste CNN. Peut-être qu'on va montrer comment on va fonctionner, on va évoluer sur le terrain. Ouais. On doit rassurer effectivement que tout le bagage est safe. Par contre, ce que vous avez dit, c'est ça. Bon, où est Premier ministre, là, ministre Justice, ministre Santé, directeur de la police, commandant MSS guerrier, à l'en bas, où est comment ça finit? Et pour moi, même avant, comme citoyen ordinaire guerrier, qui non seulement c'est bientôt, mais tout si nous avons décidé d'utiliser la machine, nous avons une machine blindée de baguette de sécurité. Oui. Pour moi, c'est une gaffe, mettez-nous en bas. Hein? Merci, comme. Deux coups de feu. Deux coups de feu tirés dans le coup de balle. On va faire moi aussi. Oui, des coups de balle. Aïe, aïe, aïe. Je dis à ta. Mais, aïe aïe aïe, ça me donne le cas de la gros panique, force l'ordre de tirer à bandit, etc. Aïe aïe aïe. Vous comprenez? Vous dites que Kenya, mais je viens de faux. Ils ont tiré dans toute direction eux-mêmes. Alors les gars. Pas de bon Dieu, pardon, vous avez tiré mes policiers, oui. Vous avez tiré dans toute direction. Toute direction. Vous avez tiré dans toute direction. Vous avez tiré dans toute direction. Je vous dis à guerrier, matin là, vous avez déposé VM, non, si échange nous avons avec lui la semaine dernière là. Vous avez posé la même question encore pour moi qui vous avez posé ma plume. Qui le
service à propos de l'hôpital général. Ouais, ouais. Ou est, après ça qui passé hier la guerrier, si pas mon orgueil qui prend monsieur Damien dans niveau pouvoir, pour une réponse musclée, mon cher, il y a un gros doute quant à l'ouverture de l'hôpital général longtemps ou encore, ou bien non futur pas trop lointain. Et pour que ça nous intéresse à la reprise des services au niveau de l'hôpital, pour plusieurs raisons. Première raison, guerrier, c'est le plus grand centre hospitalier pays. Et dans la philosophie, il n'y a pas de nom à la belle toile, guerrier. En termes de vocation universitaire, permettre que tout le monde qui sorti dans l'école vienne là, etc. Deux, matériel tout. Parce que tu représentes l'hôpital comme hôpital, comme si vous avez une toute qualité matérielle ou pas de l'autre côté. Trois, différents services qui existent. Quatre, guerriers. Spécialistes. C'est différents spécialistes qu'il a. Et cinquième bagarre, c'est un prix démocratique. Qui vient faire qui ça? L'autre tenu compte de toutes raisons, ça guerrier. N'importe qui est. T'es qu'à fréquenter l'hôpital là, bien que pendant le dernier moment, même avant, monsieur Vivant Samuel était assiégé l'hôpital là, guerrier. Mais vous êtes en. Mettez l'hôpital là dans un état déplorable, lamentable. Mais guerrier, Dieu seul, l'hôpital général, malgré toutes sortes de guerrier, il était aidé en pile. Je veux dire, combien de monde qui a souffert à une maladie, à un malaise, à un problème de santé, parce que tout simplement, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de moyens. Pour aller dans un centre hospitalier privé. Alors que l'hôpital général était là, guerrier. C'est vrai, l'hôpital général n'a pas jamais fonctionné, jamais été fonctionné par rapport à un ensemble de problèmes qui sont structurels. Mais guerrier, rendez-moi fou ou sage, il est aidé. Oui, un peu. Un paquet de monde. Nous autres guerriers, Dieu seul. Quand il y a plusieurs monde qui sont passés côté nous en bas, l'un de nos chavannes. Pour venir plein de problèmes. Son contact nous fait l'hôpital général, lui, pour faire une intervention pour lui. Ou son petit petit sac qui prend balle dans le dos, car fou feuille, qui vit à balle là, qui toujours une grosse douleur, qui vient de côté nous. Pendant que nous faisons contact avec un guerrier, fait passeport pour lui, salut maestro à la croix, Bilader, fait passeport pour Dabnan, et pour Esselta Jean-Bissin, Santo Domingo, nous avons établi le contact avec Alexis, pour garder qui suivi le café. Eh bien, nous battons mal Saint-Domingue, non, guerrier. Nous sommes juste les directeurs exécutifs de l'hôpital là. Milce. Milce pour nous dire, mais ça va aller là, guerrier. Et c'est l'hôpital général intervention en fait, elle réussit. Guerrier de Zel. Pour craser mon nez même. Pas comme du tout, ou des gros appuis, ou paquet l'argent. L'hôpital général était fait, malgré tout, on était dans le DIA. Et bien, je dis à nous, quoi que nous-mêmes, nous avons intérêt. Pour l'hôpital général l'ouvrir, nous avons intérêt après plus de 4 à 5 mois. Le dysfonctionnement pour service au reprendre dans l'hôpital là. Mais guerrier après ça crivé il y a là. On doutait très fort que l'hôpital là va le retourner l'ouvrir dans conditions ça. Parce que nous tes îles, il ne suffit pas pour responsable mettre en blindé ou bien deux trois policiers ou bien gon patrouille qui va faire venir dans périmètre l'hôpital là. Faut que conditions qui créent pour n'importe qui est-ce qui voulait fréquenter l'hôpital là qu'a fréquenté n'importe qui le j'ai ça te connait avant sinon tout ça qu'a fait tout là c'est pour la galerie guerrier parce que fort personnel de santé a qu'a vini médecin infirmière auxiliaire laborantin etc fort personnel administratif là qu'a vini travail secrétaire bagaille et administrateur fort petit personnel là ménager etc là vini travail. Mais il faut que la capacité pour maladie ou étendre tout. Si hospitalisé, et si moi-même, comme c'est citoyen, je suis en train de faire, il faut que je pour m'assister, ou bien si je suis mal acheté médicaments, aller de l'autre bagage, il faut que je ça sans problème. Mais tout le temps, ça n'a pas de café de guerre. Le premier ministre Gary Kouni a effectué 70 000 visites en bas. Et blague gabay, il a juste considéré comme un show médiatique. Délégation avant bas réunit les journalistes, n'a dit nous font première évaluation, nous font deuxième évaluation et après quoi l'hôpital là style était gens lié là. Et puis aux environs l'hôpital là cartouche a tiré. Et puis c'est garder nous venons situation mais mouvement pas ouvert l'hôpital là encore c'est
lever l'hôpital à mettre l'autre côté. J'ai peut-être nous fait ça pendant toute dernière année ça yo. À chaque côté bandit tout ville comme menace pour nous. Nous juste courir quitter le bandit en allant l'autre côté. Côté. Merci Jean Audelet, Jean-Baptiste. J'aime te faire contact pour nous avec le directeur de l'hôpital. Merci un peu, citoyen. Par contre, c'est bon. Ça, c'est pour Port-au-Prince. Pas de journée hier là. Eh bien, guerrier, mais disons, bagay. Au niveau du département de l'Artibonite, dans l'Artibonite. Journée en pâté, si vous avez battu ça, n'est-ce pas que vous êtes capable de bâtir? Hier, à l'initiative de plusieurs groupes dans la société civile dans la Tibonite, vous organisez une marche pacifique pour demander à la police et agir au plus vite contre les bandits. Vous avez une demande particulière, guerrier. Qui c'est permettre qu'on blende qui était au niveau de Carrefour Paye, il retourner parce que blende ça tombé en panne depuis 4 à 5 mois guerrier. Oui. Depuis 4 à 5 mois, et me la République souligner. Blende ça te qu'on empêcher monsieur Bandio sorti ti rivière pour venir sous la rue pour venir tirer sous machine pour attaquer sous commissariat pour Sodea etc. Mais blende ça en panne depuis 4 à 5 mois. Il y a deux seuls. Ça veut dire que vous pouvez réparer, ni pas faire l'autre. Même. Les balles à main gommée sont blindées qui verraient, qui sont obligées difficilement rentrer pour venir porter policiers qui sont sous commissariat pour sauver au secours ou bien des gens qui habitent dans une zone avoisinante de guerrier. Eh bien, hier, on dit ça fait comme démonstration. Pas de population a manifesté. Fait match pacifique là au niveau de Posodé et ses environs n'est yo carrément sorti sur route nationale numéro 1 à hauteur de Carrefour Paye guerrier de seul et puis yo tablé quartier général yo là yo dit y a ton match là y a ton manifestation et heureusement moun ki t'ab organisé match yo c'est les moun ki responsable yo réfléchi mais sinon ça t'est passé. Le pasteur Makou, Tabral Canaran, il était capable. Non, pas la Tibonite hier, si effectivement, mon n'y a pas décidé de la région, il a décidé de dire, il a quitté Ponsonde, il a arrivé dans Carrefour, il a descendu dans Carrefour. Dieu seul sait, n'importe quoi est arrivé. Il est campé dans Carrefour sur route là, avec manche longue, Chita parle de toute qualité qu'on sait. Et ils ont même fait une vidéo. Et pour vous montrer que la vidéo vous fait pas fait, guerrier, ils ont non seulement la date là. Oui. Yo montre au côté où il y a exactement et yo dit comme ça mais sous qui route yo est oui. À l'aise bon souligner de bail vous avant gouvernement ou bien monsieur Dabio qui a nouveau pouvoir ça t'es parlé monsieur t'es installé un poste de péage sur route là c'est-à-dire chaque fois on machine braler dans le grand nord sous risque qui passer là. Nèg yo kon kanpo yo fòp paye. Mais depuis le monsieur chef yo fin a parlé sans rete sur question sécurité a gagné, nèg yo annulé poste de péage là et yo décidé camper là n'importe machine qui passe là c'est pour malè ou. Lèm di pour malè ou là sou camper. Y a rentre dans avè ou sou pa camper y a tiré sur. On parle sur route nationale. Route nationale là. OK. Et sou pa camper y a tiré sur. Gon l'autre menace yo faire, yo mandé tout chauffeur. Monsieur Baye, 3 jours, chauffeur qui a passé dans la route en deux. Donc c'est sur route nationale qui a passé. Ok? Si tu as fait un massacre sur en dedans. Quoi dit ce chef la police qui a parlé? Il m'a eu 3 jours. 3 jours. Ouais, pour suspendre passer en dedans pour sur route nationale là pour passer. Guerrier, comme citoyen, on voulait faire une porte-parole population matin. Après ça qui passé hier dans cette ville là, après ça qui passé dans Bala Tibonite hier là, m'a demandé monsieur dame dirigeant au service. Au rond du service, il est guerrier. Font silence. Pas parler. Sous question
sécurité. Si nous faisons des choses, peut-être action yo a parlé pour nous. Mm-hmm. Parce que c'est inconcevable, chaque fois un chef, un dirigeant parle sur la question de sécurité en Haïti, la situation vient compliquer dans une série de zones dans le pays. Je demande de faire ça, pas parler. Si nous planifions un bagage, planifions en silence. Peut-être l'enfin, le résultat, n'a communiqué ou bien le résultat a communiqué pour nous. Parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème de sécurité avec la parole guerrier. Nous ne pouvons pas faire ça. Pas nous mentir ça. Et si communiquer ça t'a révélé le vrai, guerrier de seul, il y a deux bagages qui tirent comme conclusion. Soit nous ne pouvons pas comprendre la dimension. Problèmes à qui est pour la sécurité de pays à ou bien n'est pas hostile à participer dans un complot pour rentrer pays à dans trou et puis à passer dans la bêtise pour la presque d'un guerrier de seul situation aujourd'hui depuis la Kenya ou en Haïti à dit force la frapper nous tomber sous y a mettre la paix deux articles malheureusement pas de chasse qui est sélectionné pour venir laver au matin côté a dit que Kenya ou qui en Haïti a eu très efficace et ont commencé à aider mettre la peine dans le pays. Pour la presse kenyan, guerrier de seul, si la situation a été inchangée, si il y a une amélioration sur le plan sécurité dans le pays, ce n'est pas faute Kenya. Non? Oui. Kenya a travaillé. Mm-hmm. Ou songez, la police a fait annoncer qu'il reprend le contrôle de l'hôpital général. Mm-hmm. Au niveau de la presse kenyan, guerrier, il n'y a pas même fait mention de la police nationale d'Haïti. Oui. Comment ça dit? Mm-hmm. La police kenyane a récupéré le plus grand centre hospitalier d'Haïti. De Port-au-Prince, pardon. Faut justifier l'argent. Faut justifier l'argent, mettre là. On dit que vous faites silence. On comprend que nous avons passé belle dans l'opinion. On dit ça déjà. Mais faites silence. Par contre, si nous n'avons pas agi, silence. Et après, on a retourné à Vindy la République, qui ça ne voulait faire à gang tout bouvre. Si on ne crier, pas fait grimace. Qui ça ne voulait faire à gang tout bouvre. On fait clair. Nous ne pouvons pas rouler de bord. Tant on dit, nous ne pouvons pas agir. Tant on dit, nous ne pouvons pas moyen. Tant on dit, bah la compliqué. Tant on dit, nous prenons contrôle. Tant on dit, nous avons agi. Mais définitivement, il faut nous un côté de camper pour nous dire, ok, définitivement, mais ça n'a fait guerrier de seul. Ou j'aime tant de ça qui passe Grissier avec la police qui tape sur l'école là. Et bien si nous disons que Grissier retourne dans le déya avec fermé totalement, on ne va pas quoi moi. Et malheureusement, les gens qui font quand ils sont presque accommodés, ils viennent prendre pour normal, oui, guerrier. Ou bien elle n'a pas fait, oui. On va demander qui s'est passé avec l'intervention de la police. Oui. Mandez encore. Si les combats vous connaissez, on va placer passer, mon chef. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Tout va changer. Je demande au nouveau dirigeant. Nous allons nous poser. Nous allons parler sur la question de sécurité encore. Je vais demander de nous faire ça. Nous allons parler. Nous allons parler. Parce que c'est sérieux, guerrier de ça. Je vais comprendre pour le bataille avec Gagnon. Comme vieux profane, nèg sot qui pa konnen rien mieux. M'ka comprendre pour al bataille avec nèg yo nan fief yo. Ou ka besoin de matériel sophistiqué. Ou ka besoin drone, ou ka besoin char, ou ka besoin hélicoptère, ou ka besoin toute qualité matériel blindé etc. Mais guerrier, comment vous voulez faire croire que la police san gen là pas capable au moins repousser nèg yo dans série de zones qui pas forcément guerrier. Des zones que nous avons considérées comme territoire perdu. Et gang yo gen accès avec eux facilement pour yo venir, yo commettre un forfait et puis yo replier. Ouais ça mettre tab dormi yo rivé dans son canon n'a pas gagne qui fait ça. Que la police pas gagne moyen pour l'empêcher nèg yo rivé dans série des zones. C'est corporatiser la police ça mon cher. Pour même shot masse pour la police parce que pas la police là. Pour nous faire quoi la police pas gagne capacité pour contrôler les airs du chef de base, pour contrôler, pour repousser Mounio, faire quitter là, lui, à côté de lui, aller là, reprendre, retirer station ça, avec tout ça qu'on est marché avec lui, dans la zone avenue Jean-Paul II, pour la police, pas qu'à permettre que
la vie retourne en bas là. Nous voulons faire comprendre la police par incapacité, ça, guerrier. C'est grave. N'a pas couratisé la police, là, mon cher. Effectivement, on a des problèmes qui sont structurels. Depuis que même de on a 10 ans. Mais vous voulez faire comprendre que la police par même des moyens, guerrier, pour pousser les gens pour aller dans la base, pour aller dans le fief, mon cher, ça, je ne sais pas qui va faire comprendre, mais je ne comprendre. Tenez bien, je suis d'accord si vous dites pour mettre les bandits hors d'état de nuire, pour arrêter, pour démanteler, pour stopper, ça a quand des moyens. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Il se pourrait bien que ça mande en logistique. Je ne sais pas. Mais guerrier, PM n'a dit la police qui est plus moyen qu'avant, tout soit à dire. Même s'il va dire, ou bien nous ne connaissons pas, bon, il va être obligé de dire, nous ne connaissons pas combien il y a avant, combien il y a aujourd'hui. Mais il est clair que la police a plus moyen qu'avant, mais plus moyen pour quel résultat, guerrier. Il a déclaré l'état d'urgence sous pays depuis 2 semaines. C'est ça nous avons dans question de l'état d'urgence, guerrier. C'est le document qui est écrit. Oui. Décret sorti et puis c'est le ministère de la justice. Là. Mais visiblement, concrètement, de 6 heures du matin jusqu'à bien tard dans la nuit, pas aucun signe qui montre que le pays a gagné l'état d'urgence qui déclare sous l'île. Aucun signe qui montre ça dans différentes communes qui concernent. Moi, je suis là la nuit qu'on la journée. Aucun signe. Bon, il n'y a pas de gouvernement démissionnaire qui a été mis, mais il n'y a pas de régler rien. Au moins, il y a renouvelé pour vous faire de temps en temps. Au moins, il y a toujours un communiqué pour vous dire renouvelé. Ça a débuté au fin de l'IA, à part de circulaire, ministère de justice qui m'a dit pour les gens qui sont en bas, à une quantité de temps, par aucun signe qui montre que le pays a sur état d'urgence. En tout cas, moi-même, je suis là pour demander de faire ça. Fonti silence. Vous comprenez? Fonti silence. Là, on parle d'autorité. Oui, il y a pas de fonti silence. Fonti silence. Nous ne parlons pas de la sécurité. Si nous faisons un travail, fais-le. Et puis, résultat, ou tombe yo, mon apoué yo, n'a pas les bonnes. Vous comprenez? Parce que à chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous annoncez un bagage, à chaque fois que vous communiquez, vous pensez que vous êtes énervé. Là, vous décidez que vous voulez faire un examen, vous n'avez pas de parler. Mettez le peuple à l'aise. Mettez le peuple à l'aise. Si c'est même besoin de passer dans la tête gang yo pour nous dire bon ton bandit monsieur ok désormais nous faisons la paix nous retournons on prend et bon si nous voulons mettre dans le gouvernement faut équipe bagaille si c'est ça nous voulons faire que nous faisons le fini si c'est dit n'a dit nous pas capable que nous dit la république ça clairement nous pas capable nous même n'a rien livré à nous même n'a défendre nos jeunes capables sinon si nous c'est chef nous venons là nous connons problème qui existe faut nous porter solution et pour nous porter solution guerrier c'est pas dans la parole c'est pas la propagande. Par contre, il faut que des positions claires pour commencer à prendre par rapport à la gang armée. Les gangs ne parlent pas les clés. Mais nous ne parlons pas par rapport à la gang. Et d'ailleurs, ni ça crivé l'hôpital général là, ni ça crivé dans la Tibonite là, les gangs armés ont une fois de plus défié l'autorité de l'État. C'est clair. Ouais, PM n'a demandé faut qu'ils reconnaissent l'autorité de l'État. Il faut qu'ils déposent les armes. Eh bien, ils ont fait choix, oui. Qui s'est choisi? Ils n'ont pas reconnaître l'autorité de l'État. Ils n'ont pas déposé les armes. Au contraire, ils défient l'autorité de l'État. Donc, attendons de voir est-ce que l'État réagit ou bien si l'État fait comme s'il va réagir. Bonjour, Johnny. Bonjour, tout le monde. Tout à l'heure, nous avons pour nous prendre en direction Balartibonite pour nous connaître plus de ça qui t'est passé hier avec correspondant nous Junior Racine et de l'autre citoyen dans zone ça mais pour le moment nous prêt aller dans zone sud de capitale pour nous rejoindre correspondant nous Jean-Georges Blaise qui lui-même était préparé pour nous un reportage qui est pour zone d'Ilan avec zone sud de capitale qui toujours été bloqué depuis plus passé yon semaine côté aucun chauffeur machine transport pas qu'à faire aller venir depuis l'opération la police a démarré dans commune ça malgré pas mais y présenter un bilan sur ce qui a passé
dans la municipalité, agent exécutif intérimaire commune, ni habitant zone Grand Sud, leur souhaité force l'audio continuer kembe criminel yon en gorge, yon façon pour permettre la population capable de retourner la Kaili. Yon reportage avec collaborateur nous, Jean-Georges Blaise. La police semble municipalité ça qui jusqu'à maintenant en bas rafale coup de zame automatique. Route nationale numéro 2 en agressif tourné et l'autre vent, champ de bataille entre Udmo, Utag, agent SWAT et gang qui d'après information a perdu plume dans le cadre d'opération force l'audio qui depuis quelques jours là a mis des boys dans trois malfaiteurs qui d'après refuge tout. Une fois qu'opération de chez bandits pas campé, d'après agent exécutif intérimaire, il salue et fort dit qu'a fait pour permettre Mounio tourner la caille. Toutefois, magistrat Jean-Robert Félix dit attendre gros commandement PNH là, renforcer capacité policière. Son. Pas de circulation jusqu'à maintenant dans le Grand Sud là qui loque depuis une semaine. Côté pas gain aller venir entre chauffeur transport qui habite fréquenter circuit. Et malgré tout ça qu'a dit, son quantité bandits qui t'abreuvent de l'eau bouchon. Eh bien, autorité municipale pas voulu faire trop commentaire sur ça. Et qui côté la police a mené opération yo, magistrat Grissier, Jean-Robert Félix a expliqué. Son. Et c'est plusieurs milliers de monde qui abandonné municipalité ça en bas pression à tout faire examen qui pillé voulait caille monde sans compter femme actifi qui subit zak kadejak en bas météoricio. Presque même gens à position. T'as Jean-Georges Blaise, peut-être nous retourner sous le reportage ça après. Hein, ça qui passe. Merci. Et quelques frères sous amis la presse qui partagent un tweet de service national de police. On a parlé de police kenyane. Qui pose ton bal. Bal a fait mouiller. Vous ne pouvez pas trop fort. L'anglais? Pas trop fort l'anglais, mais nous avons essayé. Nous avons essayé de comprendre ça que dit. La police qui a dit comme ça. Je vais vous excuser si vous avez appris. Il va là au tigeur. Comique? Comique, parce que je dis comme ça, équipe mission multinationale soutien à sécurité A qui est composée d'agents de la police nationale, de la police nationale d'Haïti. Ils continuent à enregistrer des succès dans la lutte. Pourquoi c'est beau ça? Mais succès, c'est pas succès, je le dis. Succès. Ok. Et des succès dans la lutte, ils ont mené contre les activités des gangs et rétablissement de sécurité en pays d'Haïti. Bon, j'espère qu'ils me font traduction fidèle. Oui, guerrier. Vous avez même dit que vous avez dit que c'est passé loin. C'est crier pour nous crier, oui. Obligé. Faut que nous comprenne. C'est pas rien à prier tout le monde. C'est crier, n'a crier. Ouais. Ça dit en dedans nous c'est crier, n'a crier. Haïti pour nos missions bagarre de valeur. Ou même qui pigre basé nous, qui dernier forte ouais, qu'on force étranger qui dans pays qui gagne comportement ça. C'est grave, oui. Hein? C'est grave. Haïti pour nos missions bagarre de valeur là. Non mais des connes va pas. Là mon mission bagarre de valeur là mais là qui blanc bagarre de valeur là mais non. Oui, c'est ça vous dit, oui. Il dit comme ça. Équipe mission et qui gagne dans les policiers la caillou, mais avec la police nationale là, il y a marché de succès en succès dans quatre batailles contre le pays d'Haïti. Et service de police pays Kenya qui a frappé. D'accord, avec. Et nous la presse kenyane pour yo, Haïti est en très avancé dans quatre batailles contre gang. Combien les réseaux gang yo crasé déjà là? On disait mandé commandant Kenya ou moi mandé dans l'opération avec eux. L'équipe de la mission multinationale de soutien à la sécurité composée d'agents de la police nationale et de la RAI a continué à enregistrer des succès dans sa lutte contre les activités des gangs et l'établissement de la sécurité. Merci bien. OK Gakin. Et puis pour communiquer, moi, oui, radio RFM qui est toute ligue. Donc, RFM, pas tout n'importe qui. Donc, c'est authentique. Oui. Parce que nous faisons RFM confiance.
Donc vous habitué à faire des tweets qui bah la compliquée. Bah la compliquée. Bah vous t'a crié une aussi mon nous prenons complot. Nous prenons pour n'endori là. Solution pas pour demain non. Aïe aïe. Vous avez dit si vous planifiez si vous pacifiez zone comme ça. Si vous pacifiez zone comme ça guerrier de seul donc c'est peut-être et moment pour l'ex-CPE retourner au travail par le national. Bon, on va dire retourner au travail par le national. Oui. Déjà. Mm-hmm. C'est peut-être l'occasion pour toute équipe et ministère intérieur de descendre là-bas. Mm-hmm. Chef cabinet, pourquoi pas ministre, tous ces ministres intérieurs. Mm-hmm. On les vole d'affront passer. Oui. Allons, bel pays, ça va voir. Allons, bel pays. On est fait un bête du bon sens, moi, maintenant. Je m'a pris un peu d'accord, tension c'est tout y'a m'bouna ici. Je fais un bête du bon sens là. Ok, bon. Ok. Vous avez dit, le temps de vous dire force à venir, parce que les forces à venir, atterri, il y a un avion qui passe en l'air, hélicoptère qui passe en l'air, le carré char, blindé, char de guerre qui fait monter des sons dans la route là. Je dis qu'on salte autant de les ministères de l'Union. Les ministères de l'Union. Oui, l'hélicoptère marqué UN. Mm-hmm. On s'est eu de Chablis, l'hélicoptère marqué UN. Vous comprenez? Mais ça a été Nations Unies. Nous connaissons, c'est pas Nations Unies. Mm-hmm. C'est force multinationale. À la deux cas, papa. Eh bien, il y en a avant ces journaux-là, non? Je suis un peu plus sérieux. Je pense que. On avance ces journaux-là. Ok, donc nous avons des difficultés pour t'écouter le reportage Jean-Georges Blaiselan. Bon, nous allons dans l'actualité citoyenne, politique là, côté gagné et Rassemblement démocrate national progressiste sur RDNP qui prononcé au journal lundi, qui donc hier, sur scandale corruption qui gagnait dans le conseil présidentiel transition, en tout cas qui impliquait trois conseillers. Président AI, RDNP, Wadner Edouard, a demandé. Donc, pressé pour qu'il y ait une lumière qui fait sous dossier et ça. Responsable exige tout démission, même KPTO qui t'a impliqué dans dossier ça et puis demandé pour reste conseiller. Tant même, il y a une enquête dans